Et salut tout le monde, on commence par un combat hein, directement. Allez hop, oui donc on a l'épisode numéro 16, je tourne à la suite parce que moi je suis curieux, je veux voir. J'ai envie de savoir ce qui se passe par la suite. Et on tombe quand même sur des dresseurs qui ont les mêmes levels que nous, hein. C'est pas top. Donc on va envoyer un peu monsieur Ziamp. 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 Je sais pas en fait comment on dit, j'invente des noms mais je sais pas comment les dire. Je pense d'ailleurs qu'on va lui enlever le multi-expérience. Quoi qu'attendez. Moi d'abord. Ah d'accord, c'est pas mal ça. Allez, je suis confus. Ah je te tue quand même avec un éclair. Parce que je me dis j'ai peut-être pas utilisé Fatal Foot quand même, ça serait un peu abusé. Ah venez on teste. Venez, on teste pas. on va envoyer Psycholi. Un mec qui a un ballon brimeur. Hop, c'était très bizarre ce bruit. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Sur le Rafale Psy. Hop. Alors, on est parti. J'étais en train de me poser d'ailleurs la question pour la Ligue Pokémon. On va peut-être faire ça en un seul épisode. Eh oui. Parce que je me disais finalement, jamais un peu mes pronostics, vous savez. Je me disais, oui, Johto, je vais finir ça en, en 15 épisodes. En fait, là, on est l'épisode 16. Et Johto n'est pas fini. Donc je pense plutôt que ça sera fait en 20 épisodes. Et je trouve ça correct quand même. Hein. Mais voilà. On va prendre la pièce rune, vous savez quoi, sur Faramp. On va le mettre en premier. Enfin, Faramp. Pour moi, elle a déjà évolué. l'énergie. Hop. On va les soigner. D'ailleurs, on le voit derrière nous, le petit l'énergie. Enfin, on l'a aperçu. Hop. Voilà, on est bien. Et on va continuer. Hein. On perd pas de temps. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Un max repousse. Pourquoi pas. Ah, attendez, je viens juste de voir de l'eau là. Non. Je regardais quand même s'il n'y avait pas une zone, vous savez, où on peut récupérer quelque chose, genre un loot ou quoi, un truc comme ça. Quoi. On va essayer de faire tous les dresseurs ici. Donc ça a l'air d'être une petite route sympathique. En plus, on tombe sur des Pokémon haut, donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour notre petite énergie. Hop, on a même pas besoin de faire Fatal Food. Hein. Si on tombe sur des Pokémon évolués, on fera Fatal Food, mais là, clairement, il n'y a pas besoin du tout. Les petits Remoraid comme ça. Ah, quoi que là, il est plus rapide que moi. Hein. Il fait quand même des dégâts, C'est intéressant. Faut pas oublier que notre petite énergie est modeste. Donc ça aide beaucoup, hein. Ça aide beaucoup. Au niveau de la puissance. Regardez la petite énergie. Laissez-moi montrer l'énergie. Tu m'as l'air digne d'un combat. Un dresseur à l'instinct pour repérer les challenges intéressants. Allez, c'est parti. Ah, j'ai... Oh, what? Je le tue comment, en fait? Mais non, on fait Fatal Foudre. J'ai raté, lol. Ah, il a coup de jus, lui. Eh, hey, cheater. Moi, je te fais Fatal Foudre. Ah, tu résistes, hein. Ah, non, notre Fatal Foudre. C'est lui qui me fait... Ma statique! Alors, ça, c'est pas possible par contre dans la nouvelle version. Le statique d'un Pokémon électrique, c'est pas possible. Comme ça, au moins, vous aurez vu l'animation de Fatal Foudre. Feuille magique me tue pas quand même. Ok. Alors, pourquoi je fais cage éclair? C'est surtout pour pouvoir me soigner. Ah, il nous reste deux super potions. Attention. On est limite, j'aurais dû penser à en prendre. Tout à l'heure. Mais bon, tant pis. Alors, j'ai un total soin. Donc ça, c'est parfait. On va s'enlever la paralysie. On en profite. On est là, on en profite tranquillement. On résiste tranquillou à un feuille magique. On va faire Fatal Foudre. Voyons voir, ça lui fait combien. Ça lui fait rien, ok. Et il me reparalyse. Oh là 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 là. Comment tu veux que j'XP mon Pokémon s'ils sont là, genre à me défoncer comme ça. Bon, on va prendre un petit colis un peu, le faire... évoluer. Sachant qu'il n'y a plus personne qui a le multiple expérience. Ah, c'est tout bénef. D'ailleurs, faudrait que je le mette à Nessie, donc à Karatroc. Enfin, on va le mettre à Karatroc un peu là. Karatroc, il est un peu trop laissé de côté, j'aime pas. Hein. Vous avez vu sur la nouvelle bannière, en plus, je donne à manger et tout. Hein. Karatroc le Tug. Voilà, niveau 28. On va lui mettre tout de suite. On va rester en accéléré.
Parce que là, on a perdu vachement de temps à donner tous les objets et tout, nananana, hop. Alors, logiquement, j'ai plus de quoi me soigner, hein. Si, juste une super potion, mais par contre, je peux pas me déparalyser. Donc là, on a plus de potions, on a juste des rappels. On va faire avec. On est confiant, on est confiant. Salut le dresseur. On voit tout de suite que tu as du talent, mais mes Pokémon sont forts eux aussi. Ça saute aux yeux. On va voir ça, hein. Bon, il faut savoir que je tourne le 29 août et que j'ai très chaud. Il fait très très chaud, donc c'est très dur. Mais bon, je ne dis trop rien. Donc si vous comment dire m'entendez faire des mouvements, c'est que je fais des mouvements pour m'aérer le corps. Oula, je pars vraiment n'importe comment. Moi. Oh, t'es sérieux? Et là, s'il lui manque pour le tuer, me bute pas quand même là. Ok, il me bute. Ok, toi t'es un mec comme ça et tout. Pour la peine, on va te tuer avec Nessie, c'est quoi? Parce qu'on te respecte pas. On va te faire force. Ah, mais il a appris force, suis-je bête? Donc, Mister Alligator n'a pas besoin de l'apprendre. On te termine avec Karatrog parce que nous on est des thugs. Allez hop, 1300 points. Niveau 22, c'est bon ça. Il apprend ligotage. En fait, non, c'est nul ligotage. Magnéti. On n'a pas les 4. Ah, vous savez quoi, on va essayer de le tuer avec. Ouais, là les dégâts. Ah, quoi qu'il perde la défense, hein. Ah, regardez, on fait plus de dégâts et il leur perd encore. C'est bon ça. Par contre, il m'a cagé clair, c'est moins bon. Ouais, ce dresseur, nous ne le respectons pas. On se le fait avec Karatrog. Parce que nous, on est trop des thugs. Regardez, c'est pas beau ça. Coup critique. Au prochain, il meurt. Karatrog, il l'a défoncé quoi. Il a fait tout le taf alors qu'il est niveau 22. Et hop, niveau 23 maintenant. Hop, donc ça c'est fait. On va soigner notre énergie, vous savez quoi, et puis on verra. On verra. Alors apparemment, il y a un chemin donc à droite. On peut continuer par ici. Je vous dis, on va faire tous les dresseurs de cette zone. Je crois pas que ça soit une si grande zone que ça, donc vous inquiétez pas, ça devrait pas aller trop longtemps. Ça devrait pas prendre trop de temps, je veux des Pokémon rares à n'importe quel prix. D'accord, je veux des Pokémon rares, très bien. Un Rhinocorne, donc là clairement clairement bye bye hein. C'est vrai que le Grimace ça va pas trop me faire quelque chose hein. Ça va pas être trop fou hein. Et voilà, comme ça c'est fait, comme ça c'est clair. Attendez, j'enlève le speed, voilà. Il y en a un petit pêcheur. Qui dit pêcheur dit Pokémon O, donc qui dit Pokémon O dit l'énergie qui va se faire plaisir. Quoi sirène. C'est pas donné. Franchement, si c'est pas donné, je comprends pas quoi. Alors, on va faire le petit éclair, les familles. Oh le one shot. Oh, mon dieu. Avec un éclair et one shot. Un autre poisson sirène. Si un poisson roi, ça va être le fatal foot direct. Niveau 30. L'évolue peut-être niveau 30. Bon, on verra, on verra. Nessie montre au niveau 24, tranquillement. Poisson roi. Poisson roi, hein. Attention. Hein. Non, j'ai loupé. Résiste. Oh, il est paralysé. Allez, boum. Là, c'est le one shot. Là. One shot. Allez, hop. Le one shot. Le pêcheur Renan qui est mort. Et l'évolution. Et notre dernière évolution à Johto, les gens. Et voilà, on a enfin notre petit farm, ça fait super plaisir. Qui tente d'apprendre point éclair, sauf qu'on va jouer spécial. Donc clairement, on va pas l'apprendre. J'ai mis de pas abandonner, je crois. C'est assez spécial quand ça a accéléré. Ce combat était particulièrement intéressant, blabla. Non. Oh, il est beau le Faramp là derrière. Il est beau, regardez. J'ai un petit Faramp. Ça fait plaisir. Donc on avait deux dresseurs ou pas? Vous savez quoi, on va utiliser la bicyclette. Mais non, on a déjà tout fait. Donc,
Hop, voilà. On va continuer à pied. Apparemment, il y a une grotte. Moi, c'est cool, on va aller voir. Tu sais quoi? Que ce soit sur les Pokémon... d'accord, moi, j'ai pas compris. En tout cas, il parlait des oiseaux légendaires. Et ça m'intéresse. Hoot hoot. Ah, il brille et tout, c'est kiffant. Donc, clairement, par contre, le hoot hoot, là, s'il meurt, je comprends pas. Eh, 100 PV, vous imaginez? 100 PV déjà. Ne me tue pas! Il m'a pas respecté. Il m'a pas respecté. Il m'a pas respecté, vive attaque. Il m'a pas respecté, ce salopard. Ce salopio. On va envoyer Dracula. Et vu que Pharaon n'a pas évolué, bah maintenant, il faudra peut-être XP un peu notre mentalité pour qu'il passe le niveau 30 et qu'on. Enfin, car attends que je. Il est dans la team, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pas besoin d'être niveau 30 pour être bon. Vous avez vu, ses défenses, elles sont quand même assez folles, quoi. Et puis de toute façon, là, il va XP au fur et à mesure, donc voilà, il est déjà niveau 25, c'est pas un souci. Donc maintenant, vu que Pharaon est mort... Non mais je veux pas, laissez-moi. Non. Non, tu vois, vous voyez, si je donne mon numéro, après, ils deviennent fous comme ça, là. Ils appellent. On va soigner le Pharaon. Putain, il est gros, par contre, le Pharaon. Et on va mettre Psycholy en premier, voilà. Et on rentre. On est dans la route de glace. Nice. Déjà, Max repousse tout de suite. Elle est sympa la musique, j'aime bien. Je vous laisse profiter un peu de la musique. Un peu, j'aime bien ce. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime bien cette version là. Qui es-tu, toi? Bien le bonjour en cet endroit en robe, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez hop, on prend la pause. En plus, on a notre team complète. Complètement évolué, pardon. Ah, ils sont pas beaux là. On a une belle team. On a une belle team. Eh ben, merci, merci. Alors, on part en YOLO, on part ce qui est le plus logique pour moi. Hop, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois l'objet tombé là-bas, c'est à moi, mais je ne peux pas aller le récupérer. Pourquoi? Parce que la glace est trop froide pour marcher dessus pieds nus. J'ai glissé et ça a arraché les semelles de mes chaussures. Et je parie qu'en gros tu me bloques, c'est ça? Ok. On s'en fout, tu vois. J'accélère parce qu'on s'en fout. Il m'a déjà dit une fois, j'ai compris. Donc il fallait récupérer cet objet. Ok. La technique, je vous le dis, la technique. Et c'est la CS Cascade. D'accord, normal, tout va bien. CS Cascade, salut. Ok. Ah bah ouais, de toute façon, c'était la dernière CS pour le dernier badge. L'objet, c'était une CS, hein. C'est moi qui l'ai laissé tomber, mais bah après tout, tu l'as ramassé, je te l'offre. Elle contient Cascade, et évidemment, elle permet de remonter les cascades. Les cascades, moi, bah avant de penser à remonter les cascades, il faudrait que je m'achète de nouvelles chaussures. Ah, tu es drôle. Hop. Ouh là 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 là. C'est un petit peu. Il y a un peu d'énigmes et tout là. Qu'est-ce qui se passe? Alors de mémoire, je me rappelle qu'il fallait pousser les rochers. Bon, on va pousser les rochers. De toute façon, on a Karatroc et Alligator qui conforce, donc c'est pas un souci. Hop. Est-ce que je suis bon là? Est-ce que je suis bon là? Est-ce que je suis bon là? Non! Non! Non, je suis pas bon, non! RT dans les commentaires si je suis pas bon! On va mettre le max repousse. Attendez, ils nous font un petit énigme là, Pokémon, ça devient fou! Ok, bon, je me suis fail. Bon, on verra ce qu'il y a en dessous. D'accord, donc je pense qu'il faut faire tomber le rocher pour accéder à la zone. À la zone, comment dire, du milieu. Parce qu'en fait, vous voyez, ça descend. Par contre, j'aimerais bien revenir, en fait, voilà. Cool. Alors déjà, juste, on va faire une petite sauvegarde. Parce que voilà, on est des thugs. Hop. Parce que bon, en fait, ce qui se passe, c'est que l'émulateur, des fois, il bug.
Et il bug souvent pendant les animations, genre c'est-à-dire par exemple quand on utilise Force ou quoi que ce soit. Et après, bah, ça vous plante complètement votre save. Donc je préfère sauvegarder. Donc on va faire ça intelligemment. On va faire ça progressivement. Bon, déjà, on va faire celui-là. Donc clairement, vu qu'il est le plus près d'ici, on va s'en occuper. Maintenant. Hop. Alors attendez, si je le fais tomber par là, par ici. Bon, allez, YOLO, hein. Vous savez quoi, on tente. Puis si je galère comme un débile, au pire. Je ferai ça en ellipse. Normalement, je pense que là, enfin, c'est pas si compliqué que ça. Hein. J'ai jamais eu de problème dans Pokémon pour les petites énigmes entre guillemets. Voilà, hop, celui-là il passe. Le rocher est tombé. Ok, donc ça en fait un. Donc là, clairement, celui-là, il doit aller par là. Voilà, bon, ça en fait deux. Hein. Ceux-là sont pas bien compliqués. Donc, là on a fait. Donc on va aller par là. Hop, 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 hop. J'aime bien les rochers, comment ils sont mis quand même. Salut, nous sommes des rochers, nous sommes là à l'improviste. Tout va bien, monsieur. Donc là, faut faire le tour, en fait. On va éviter de se fail. Bon, je pense qu'en fait, qu'il faut partir par là, parce qu'on était parti par l'autre côté tout à l'heure. Hop, on évite de pousser le rocher. Ouais, c'est bon, on est bon normalement. Donc voilà, ça en fait 3. Et le dernier qu'on peut pas pousser. Donc faut faire le tour, je crois, hein, c'est ça. Hein. On a 16 minutes d'épisode, j'espère qu'au moment on va faire cette grotte. Bon, normalement, il n'y a pas de souci, en 15 minutes, ça devrait être bon. Ouais, bah voilà, hop, regardez. Et voilà, les 4 rochers. Tac. J'arrive! Ah bah, comme ça au moins on a direct une... Oh, une potion max! Hmm, intéressant, intéressant. Alors, bon, je pense qu'il donc faut clairement utiliser les rochers. Donc, on va faire ça intelligemment. Si on va sur ce rocher là, ça sert à rien. Là, c'est là où on était. Donc en fait, il faut partir de autre part. Et donc là, il y a ce rocher là aussi. Vous savez quoi, on teste un peu tout en fait. Hein. Nous, on est des testeurs pro. Ah bah voilà, on a trouvé. Il n'y a même pas besoin de ce rocher en soi. Et hop, un petit total soin. Et ben, on arrive tranquillement à faire cette petite grotte. Avec ces petites énigmes. Oh tiens, on va pouvoir casser ce rocher. Mais si, utilisez Éclatroc. Allez. Un petit glace éternelle. Qui booste les attaques de type glace. Hop. En fait, il y avait juste ça ici. Haute de glace. Oui, on est toujours là. Alors là, il y a quelque chose. On va aller voir. Elle est sympa, cette petite grotte. J'aime bien, en tout cas. Apparemment, ça a l'air d'être la suite. Comment on va là? Ah mais c'est simple, attendez. On va juste prendre ce loot, on va retourner de l'autre côté parce qu'on n'y est pas allé. La grotte a pas l'air... Je me suis pas fail, hein. Si, je me suis fail. Bon, bah vous savez quoi, on ira après. On va retourner là, on va juste voir ce qu'il y a là sur la suite. Enfin... Pas la suite, mais ce qu'il y a ici. Donc déjà, on a... quelque chose là. Ok, donc c'est simple en fait. Prenez en fait ici. Je crois que c'est au bout là. Non, merde, pardon. On va se mettre ici. Hop, et voilà. Donc ça c'est donné. Ah, c'était avalanche, une attaque de type glace. On va peut-être la prendre à ligature. Vous savez quoi, on verra après. Peut-être on va le jouer mixed, vous savez quoi, ligature, c'est-à-dire mi-physique, mi-spécial. Pour pas s'embêter, parce qu'on a quand même Kanto aussi, hein, et faut pas l'oublier. Donc en fait, je fais un petit coup ici. On va
va juste utiliser un max repousse. Toute cette glace là alors qu'il fait chaud dehors. Non, non monsieur. Non, non, non monsieur. Hop. Et voilà. Un fer. On va le donner à quelqu'un ça. C'est quoi faire? C'est la défense. Allez, moi je parie la défense. Ouais, c'est la défense. Parfait. Donc défense, bah carotte. Clairement. Hop, bon allez, on va avancer un peu. Donc là on a... Ah donc c'était le début là, protéine. Protéine c'est attaque, donc on va le donner. On va le donner à nos enfers, tiens un peu. Hop. Voilà. On continue. Oh, mais j'ai du gelato. Bah écoute. Tiens donc, Subza, quelle plaisante surprise de te rencontrer ici. En fait, mes sandales se sont prises dans la glace et je ne peux plus bouger. Les sandales d'été dans la neige glacée. Bref, ce n'est pas le moment de faire de la poésie. Peux-tu me pousser dans le dos pour m'aider? Allez! Vlan. C'est bon, tu t'es décoincé? Tu es bien aimable. Merci infiniment. Salut, et apparemment c'est la sortie, mais j'aimerais bien juste avoir cette... ce petit loot. Comment on l'a? Clairement, comment on l'a? Alors ça c'est pour sortir, ok. C'était le truc le plus simple du monde. Et Bretzel, là, tu te calmes, hein. Jezebel. Bretzel, quoi, mon dieu. Je suis ignoble. On part là, comme ça. Bah voilà. PP+. Regardez ça pour plus tard. Hein. Parce que je vous rappelle qu'à Kanto, on va changer de team. Et donc celle-ci n'est pas notre finale. Et on est arrivé où ça? À Ebenel. Waouh, tu as traversé la route de glace. Tu dois être un sacré dresseur. Merci. Ebenel, un coin de montagne reculé. Bon, on va visiter cette ville, vous savez quoi? Draco est mignon, mais je l'ai pas. Tu aurais un Draco femelle, tu veux bien échanger contre mon Dodrio? Non! Je n'ai pas de Draco. Par contre, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Oh, ton Mentali, ton Pokémon doit fournir plus d'efforts. Viens, on va prendre qui nous aime bien de cet enfer, je crois. On va lui montrer. Oh, ton instant fer, ton Pokémon doit fournir. Serious? On va montrer Alligator, le premier qu'on a. Avec tous ces trucs, d'ailleurs, faudrait lui enlever force, ça serait bien de trouver où on peut faire ça. Ok, donc clairement, en fait, elle, c'est une arnaqueuse, quoi. Elle te montre quand même le Pokémon qui t'aime le plus. Non, ton Pokémon doit fournir plus d'efforts. Je te le dis, c'est catégorique, voilà, tu te calmes. Allez, on visite. Il y a quoi par là? Je suis sûr, il y a un petit loot, là. Non. Vous savez quoi? On va tester le cherche-objet, juste pour une fois. Ça marche comment? C'est ce qui classe avec quoi? Ah, ça montre qu'il y a des objets en fait ici. Là, ok. Ouais, bon, c'est un peu nul. Hein. Voilà, au moins on a testé. Vous êtes contents ceux qui voulaient qu'on teste. Bon, allez, on continue à parler à tout le monde. Ah, des voix dans ma tête, j'écoute ma. D'accord, j'ai cru que c'était un cinglé. Fais-tu oublier des capacités à tes Pokémon? Pourquoi? Maison de la capacité, vous pouvez apprendre à oublier des capacités. Bah écoute, let's go. Je viens d'en parler en fait, donc c'est parfait. Oula, il y a du peuple. Rappelle-moi qui es-tu déjà et moi je suis l'effaceur de capacité. Tu viens de me voir? Ouais, je viens de faire effacer une capacité à mon Aigamoche, s'il te plaît. Force. Voilà. Comme ça, on va lui apprendre cascade. Et aussi siphon. Enfin, ça, je ferai surf, coup, cascade, siphon. C'est un peu abusé quand même. Bon. Siphon, on va peut-être pas lui... Je sais même pas si c'est utile, en fait. Je sais même pas si c'est utile qu'on lui apprenne. Parce que bon, voilà, on a Avalanche, et Avalanche, ça fait quand même 60. Une attaque deux fois plus puissante si le lanceur était blessé par l'ennemi durant le tour. Bon, on va lui apprendre Cascade, mais pas Siphon. Parce que c'est clairement, Siphon, à part aux îles Tourbille, là où, normalement, on a le dieu de la mer. On m'appelle voilà, donc c'est pas très utile. On m'appelle le dingue des capacités, mais je préfère le maître des capacités que je connais toutes les cassettes. Ah bah, je connais toutes les capacités que les Pokémon apprennent en gagnant des niveaux.
peut toutes les enseigner même seule qu'on a fait oublier. Mais je ne fais pas ça gratuitement, pour ça que chaque épisode me demande une écaille cœur. C'est où qu'on trouve des écailles cœur? Mais j'ai pas de Pokémon Dragon. Ta quête de puissance vous a mené jusqu'ici pour récompenser tes efforts, je t'avoue. Capacité ultime, ouais, si tu veux. Qui peut la prendre? Ah, mais c'est pas les capacités des starters? Ouais, bah, c'est, je crois que c'est ça. En plus, ça marche pas. Genre, la Liga moche est tellement moche qu'il m'aime pas, voilà. Il m'aime pas, il est comme ça, il est pas content. C'est une petite ville, j'ai l'impression, ici. On va aller au shop après. Tiens, il y a un rocher ici. Salut, le rocher s'est posé et tout. Oh, mini draco, donne-moi. Un clan de dresseurs commandant les dragons vit ici à Ebenel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de légendes sur les dragons dans cette ville. D'accord. Donne-le-moi, le mini draco. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi t'es planqué ici? On va essayer de lui parler, vous savez quoi? On va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? D'accord, il y a la reine. Tous les dracologues sont originaires d'Ebenel. Ok. Sandra, notre champion, vous attend. Vous aurez du mal à la battre. Je vais te calmer, toi. Donc, on va pouvoir faire la reine directement. Samuel. Je suis Samuel du samedi. Tiens. Sable doux. Ok. Pourquoi pas. Samuel, sable doux. Les attaques sol sont plus fortes. Tu vas voir. D'accord. Mais j'ai pas d'attaque sol, mon petit. On va aller soigner nos Pokémon. Donc, il y a une route vers le sud. Faudra aller voir ce que c'est. Hein. Au fin fond du plateau indigo se trouve l'allié Pokémon. On dit que les meilleurs dresseurs de tous les pays s'y retrouvent. Ok. Il y avait une capacité que je voulais faire apprendre, alors je demandais à ses fans, blablabla. Mais où on a des écailles cœur, ça m'intéresserait. Il y a une grotte secrète derrière l'arène où le champion s'entraîne. D'accord. Il y a pas mal de choses, j'ai l'impression, ici. Enfin, il y a une route qu'on doit aller visiter, je pense, vers le sud. Il y a l'arène. Il y a cette fameuse grotte secrète. On va aller au shop, on va faire nos petites emplettes et je pense qu'on va s'arrêter là. Et l'épisode suivant, là, va être lourd. Va être lourd en contenu, je pense. Attendez, on va parler à lui, il est bizarre. D'accord. Qu'est-ce que tu me vends des trucs, toi? Lettre à avion sans bonbon. Ok. Hop, on va vendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Déjà, on peut vendre la pépite. Ça, c'est sûr, c'est la base, tu vois, 5000. On a 50 000... Non, ça, c'est nul, ça. 50 000 Poké-Dollars, vous imaginez? C'est juste abusé. Alors, les Super Bowl, on est bien. Tout ça, on est bien. Objet combat. Alors, ça, on va vendre. Tatat. C'est la fin d'épisode, en fait, vous voyez, un peu tranquille. Je me prépare en fait mentalement aux champions et à tout ce qui reste. À prendre. Alors, max, on peut prendre 46 Hyper Ball. On va en prendre 14. Voilà. Parce que 20. Parce que voilà la vie. On va prendre des Hyper Potions. On peut en prendre combien juste, max? On peut en prendre 32, donc on va en prendre 15. Voilà. Je crois qu'au niveau des rappels, on est tranquille en plus. Donc, ça, c'est pas un souci. On va en prendre 5. Et puis le reste, on va le prendre en max repousse. Max repousse. Attendez, on peut en prendre. On va en prendre ça. Je prends des total soins en fait. Je me rends compte qu'on en a vachement besoin des total soins. On va en prendre 4. Voilà, comme ça là on est bien, on est tranquillou. On est super bien. Et donc apparemment c'est une ville dragon. Donc le maître de cette arène va être de type. Voilà, tu as très bien trouvé. J'ai comme Dora. donc de type dragon. Donc écoutez, on termine enfin pour une fois au bon moment, à la bonne heure. C'est fou quand même ça, c'est pas possible. Plus on avance, plus on fait des efforts. C'est quoi cette arène qui fait flipper? Donc on se retrouve donc pour l'épisode numéro 17. J'ai pas assez de doigts pour faire numéro 17 comme dans Fort Boyard. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 17 je crois. Et on va faire cette arène. Et c'est la dernière arène les gens. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que attendez, si on regarde notre Pokématos, qu'on regarde notre petite map. Oh, attendez, on va avec Quentei. Intéressant. Eh bah écoutez, il n'y a plus rien après. Il y a le mont argenté, alors je sais pas comment on y va. Mais après, il y a juste cette petite route pour descendre et c'est tout. Et c'est tout. Donc, écoutez, on se laisse
Donc pour cet épisode, on se retrouve à l'épisode numéro 17. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous kiffez, mettez un pouce bleu, vert, rouge, jaune, comme tu veux. Si t'es daltonien, bah, ça se trouve, ça sera une autre couleur, je sais pas. Hein. Chacun voit ce qu'il voit, hein, voilà. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Enfin, ça fait environ 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo me concernant, enfin avec moi. Donc il y a eu, voilà.